Donc, nous sommes à Primo pour notre aventure d'hiver qui commence aujourd'hui. On va chercher la Kodiak. Puis on va l'amener à notre terrain de camping pour l'hiver. Donc, nous avons choisi notre terrain. Voici nos deux voisins, mais ils vont quitter cette fin de semaine. Donc, Louis, avec son, oui, son vin, son barbecue. Voici notre vue le soir. Oui. Puis on voit les lumières de Noël de l'autre côté de la rivière. C'est de toute beauté. Moi, je préfère mon nord. Ici. Papa, installe quoi? Papa, il est là. Moi, je fais. Regarde mon nord! Regarde. C'est très beau ton nord, ma pisse. J'ai fait tout ça, j'ai fait 18. Puis papa, ton nord, lui? Pas très beau. Oui, mais c'est pratique. Ouais, mais on va l'enlever l'hiver. Non, on le garde l'été. Oui, on l'enlève l'été, mais on le garde l'hiver. C'est pour qu'il n'y ait pas d'eau. Ben, pour garder le chaud à l'intérieur. Yeah. Pour pas perdre trop de chaleur par les snacks. C'est un vélo, là. Ils sont quand même bien isolés. Notre roulotte n'est pas un modèle 4 saisons, donc afin de s'assurer de garder la chaleur à l'intérieur et qu'elle ne s'échappe pas par l'entremise du plancher, Louis a installé une jupe tout le tour de la roulotte. Il a commencé par acheter du vinyle recyclé d'anciens panneaux publicitaires. Il a installé des boutons de pression sur la roulotte puis sur la jupe, qu'on peut acheter en ligne. Alors, voici le premier morceau de la jupe fini. Ici, c'était un petit peu plus compliqué avec le slide-out qui est une différente hauteur, mais oups, ça a l'air d'avoir bien marché, ou fonctionné, je veux dire, parce qu'il n'y a pas de patte. Et j'ai arrêté ici pour donner accès au bac pour vider l'eau noire. Alors la jupe va commencer à finir. C'est tout le temps important de donner un petit peu d'accès à la jupe. Alors, voici le deuxième morceau de la jupe. Un autre 30 pieds. Je l'ai fini hier soir, mais à la noirceur, alors c'est pas prêt pour la vidéo. Ça va mettre en place. Bien spécial ici. C'était pas évident en arrière. J'ai décidé de que la jupe couvre le pare-choc. Qui veut dire qu'il fallait que j'enlève la plaque d'immatriculation, le pneu de rechange et le gugus qui tenait le bac. C'est correct, Nicole va enlever mon audio quand même. Ici, encore rien de spécial. Il reste un dernier morceau de 30 pieds environ. Ici, ça ne sera pas évident de faire le tour des marches parce que le vinyle au froid n'est vraiment pas flexible, elle est très dure à former. All right! La jupe est posée, elle est complètement finie. Il y a juste un petit peu d'esthétique à faire, de couper le top pour que ça soit plus ou moins égal. On nous demande souvent comment nous réchauffons la roulotte. Quand nous arrivons, nous démarrons la chaufferette de la roulotte à base de propane, donc elle se réchauffe rapidement. La roulotte est déjà un peu chauffée car nous laissons allumer deux petites chaufferettes électriques quand nous sommes absents. Donc, sous la roulotte, nous avons également installé des chaufferettes ainsi qu'un ventilateur pour s'assurer que sous la roulotte, c'est un peu plus chaud.
Moi, je me promène souvent en grosses pantoufles à base de caoutchouc achetées il y a plusieurs années à Mec. Quand il fait chaud dans la roulotte et froid dehors, de la condensation peut se produire et donc ça peut créer aussi à la longue la moisissure dans une roulotte. Ce qu'on veut vraiment pas. Donc, vous voyez ici un déshumidificateur. Donc, à la fin de l'automne, l'hiver ainsi que le début du printemps, il fait trop froid pour utiliser l'eau dans la roulotte, sinon les tuyaux vont geler. Mais on utilise quand même notre toilette. Donc, la façon qu'on le fait, nous, c'est qu'on utilise... voici notre toilette. Et nous, on utilise de l'antigel. On voit ici. Donc, on fait nos besoins. On utilise l'antigel, on le met dans la toilette. Puis, c'est la façon de chasser. On a également des bacs chauffants. Et on voit ici, là, justement, le commutateur. Donc là, lui, ça va vidanger. Non, c'est bon! Elle tient? Oui, elle tient! Alors, voilà lui. La porte. Le bac. Pour vidanger. Nous remplissons nos bacs d'eau à la maison. Le bloc sanitaire est chauffé pendant l'hiver. Donc, il y a deux douches, puis deux toilettes. Voici une des toilettes qui est bien propre. Donc, les douches prennent de l'argent, 2 $. Ça dure à peu près 5 minutes. On retrouve aussi une petite buanderie. N'oubliez pas d'aimer et de s'abonner afin de recevoir les notifications lorsque de nouvelles vidéos sont téléchargées.